Bonjour à vous et bienvenue sur Tutti Druid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un jeu de baston. On avait déjà eu quelques rumeurs en 2019. Il s'agit de Projet L. Comme le titre l'indique, c'est encore assez hypothétique. Mais on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le Projet L? Par le Projet L, c'est tout simplement League of Legends en jeu de baston. C'est-à-dire d'un style à la Street Fighter V, The King of Fighters ou encore Guilty Gear Strive. Ça vous fait plaisir, ça c'est sûr. Lorsque l'on rentre dans cette vidéo, c'est le premier look qu'on en a, le premier design et un premier aperçu du gameplay. Le jeu sera assez fun, facile d'utilisation. D'ailleurs, pour faire court et pour faire simple, les frères Canon disent que ce n'est pas encore le produit final. Le jeu n'est qu'à 30% de son développement. Donc ne dites pas que le jeu sera comme ça. C'est juste un aperçu pour vous montrer à quoi s'attendre lorsque le jeu sortira. Et en plus, lorsque vous allez dans le site officiel, ou si vous êtes fan de cet univers et que vous voulez apporter votre participation, il y a de l'embauche, que ce soit au niveau des ingénieurs, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau du design et le style artistique, c'est encore possible. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est que le jeu sorte l'année 2022, en mi-année 2022, c'est-à-dire en été, la période du mois entre juin et juillet. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il sortira peut-être sur toutes les plateformes, que ce soit sur console de salon, PS5, PS4, Xbox One, Series S ou X, et aussi sur tablette et smartphone tournant sur iOS et Android. Sinon, je ne devais pas en parler. Alors, ce que vous attendez dans ce gameplay, c'est que le jeu a un style de combat tag team. Vous construirez et piloterez une équipe de deux champions différents. Dans cet aperçu, vous verrez qu'ils ont mis à jour le style artistique du jeu et inclut une ventilation du kit d'un champion. Vous aurez un aperçu de la façon dont ils abordent les commandes avec une mentalité facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Fini les quarts de cercle à Hadouken ou Shoryuken. Cette fois-ci, ce sera assez intuitif, ce sera assez intelligent et il y aura aussi l'intelligence artificielle qui sera très poussée. Pour l'instant, nous avons que cette petite vidéo à nous mettre sous la dent. D'autres informations viendront et moi je serai là pour vous en parler. Parce que je suis aussi un fan inconditionnel des jeux de baston. Ce qu'il faut attendre vraiment dans cet univers-là, c'est d'abord quand on regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est vraiment le design. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, j'attends votre avis dans les commentaires. Comment avez-vous trouvé ce premier look? Avez-vous trouvé ce premier design? On attend certainement vos avis. Et en plus, le jeu sortira bientôt. On ose espérer. Moi, je suis vraiment assez ravi lorsque j'ai vu cette première vidéo me montrant le look des personnages, les designs, les attaques et les combos. Et je suis sûr que le meilleur reste à venir. J'en ai trop dit et j'en ai trop fait. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.